Et les gens, bienvenue sur frappestesjeux.fr ou sur mon blog 103.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Assassin's Creed Rogue sur PC, donc un jeu qui m'a été fait par BG Summoner ici présent d'ailleurs, donc encore une fois merci à toi. C'est parti pour un tour. Mon petit ventilateur qui fera du bruit dans le micro comme ça. C'est parti, on en est où nous? On était là, on est en train de l'écouter lui. C'est également déchiffrer les codes secrets, un expert. Un homme de tant de talent ne peut que servir notre cause. Il y a un plan à gauche. Que l'ordre accueille à bras ouverts. Ma foi, c'est un ami à moi, mais il a la fâcheuse tendance d'être tout le temps honnête. L'hypocrisie lui est inconnue. Sans dire qu'il garde bien mal les secrets. Surtout avec son cerveau de mathématicien capable de venir à bout de n'importe quel code. Prête-le en allié, mais prends garde à ce que tu dis en sa compagnie. Je m'en souviendrai. Elle a pardon aussi. Que Louisbourg serait une pièce centrale de la guerre. Si la Royal Navy ils sont tous là. Ce fort, la voie du Saint-Laurent nous sera ouverte. Et avec elle, Québec et Montréal. L'histoire est en marche. Général Wolfe infligera une sévère correction à ce lâche de Montcalm. J'attends ce jour avec impatience depuis la prise de Fort William Henry. Quand cette guerre sera terminée, nous ferons enfin régner l'ordre sur ce continent. J'ignore si cette guerre suffira, mon ami. C'est bon, ils ont fini. C'est bon. Je vais aller voir s'il y a marqué qu'il y a un plan à récupérer là-dedans. Donc je veux découvrir ce qui s'y cache. Avec un petit peu de chance, ce serait le plan des mortiers. Ce serait bien. Une très bonne chose pour nous. Comment ça, ça va aller? Ah, tu veux dire pour le bateau? Non mais ça va, on est quand même bien équipé. Là après le reste c'est que ça a coûté très cher et que ça a demandé beaucoup de ressources. C'est pour ça que j'ai beaucoup ramassé les éléments de prospérité. Parce que du coup ça rapporte, ça augmente le nombre de pourcentages qu'on récupère en plus sur les bateaux et autres éléments du genre. Ah d'accord, il y avait une grotte. Vous avez mis une grotte par ici. Et tout est à l'intérieur. Ce qui est embêtant, c'est quand on est en bateau, enfin embêtant, c'est pas le terme, parce que c'est très très pratique. Quand on est en bateau, on voit tout le truc entassé les uns sur les autres, je pensais vraiment qu'on était à deux doigts du... Est-ce qu'on voit qu'il y a un plan par là? J'ai l'impression d'avoir déjà exploré ce coin-là, non? C'était pas là que j'étais au tout début? Si... Ou alors ça se ressemble énormément comme grotte. Pourquoi tu veux pas sauter? Dis copain, pourquoi tu veux pas sauter? Peut-être parce que c'est pas le but de sauter ici en fait. C'est pour ça. C'est parce que je suis pas doué. Bonsoir Léo, comment vas-tu? Mais j'ai déjà acheté des ressources justement dans celui-ci. Hein. C'est bien plus agréable. Au moins quelque chose qu'ils ont corrigé. Ouais, c'est bien là qu'on était déjà passé en fait. On avait découvert ce passage déjà. Donc là, on a 29 000 de pognon. On avait déjà tout dépensé pour acheter de quoi améliorer l'armure et tout. Donc au final, là pour l'instant, la chose qui va manquer, c'est des ressources. Et les ressources suffiraient à attaquer quelques bateaux. Et, je crois pas qu'on pouvait s'acheter les ressources des métal, etc. Quoique, j'ai jamais essayé en fait. Donc ça demande vérification. Ah non, c'est le compartiment à mortier. Pendant quelques secondes, je me suis dit, ah, enfin. Mais non. Ils m'ont bien eu. Salut, agent Alex, comment vas-tu? Depuis hier. Et je chante faux, mais c'est pas grave. Et c'est parce que Rogue, c'est Black Flag en réussit. T'es sûr? Bah écoute, ça va, ça va. Ça va plutôt bien. Je suis comme tout le monde, j'ai chaud.
Et je cherche à me faire croire que ce n'est pas le cas. Mais ça va, je suis pas à plaindre. Franchement, j'ai pas les températures non plus horribles. Bon, du coup, ce coin, je l'ai terminé. Manoir. Il y a plein de points que j'ai jamais vérifié. Ah, il y avait ça à attaquer aussi. Non mais Fort Louis, on l'a pas libéré? On n'a pas libéré Fort Louis. On n'a pas libéré... On peut pas laisser Fort Louis comme ça. Faut qu'on l'aide un petit peu, non? Je ne vois pas le rapport. Contre l'aime. Je suis pas en train de partir du côté de la sortie, c'est bien moi ça. Je crois que c'est pas la sortie non plus. Non. Alors, comme je vois rien du tout sur la carte, parce que c'est tellement bien fait qu'on sait pas où on va, ce qui me semble que je venais de par là à la base. Hein. Alors pourquoi j'ai un doute? Ce qui me semblait que c'était là-bas la sortie. Ah mais si, mais après faut que je parte à droite, c'est pour ça. J'ai eu un doute. Du coup, ça c'est réussi. Et si je me décrispais un petit peu, ce serait bien, non? Période complexe, crispation totale. On va. Ah, si je sais ce qu'on va faire. Faut que je récupère des bateaux aussi. Notez-le, bateau. Parce qu'on a quasiment plus rien. Donc le Lagos, on avait dit pas tout de suite, c'est méchant le Lagos. Lagos, on s'est fait exploser nos petits bateaux. Redragon, comment vas-tu? Depuis hier. Mafia 3, au moins il y avait quelque chose qui apparaissait dessus. Je suis désolé. Là c'est du vide. Il n'y avait rien. Aucune indication, à part sur la minimap. Donc quelque part, chute, non Méo. Au moins il y a quelque chose. J'aurais préféré avoir quelque chose que, même si c'était pas complètement précis. Toi, il faut qu'on te répare, très cher. Alors, comment vont les dragons? Les voisins. Aujourd'hui, dragon. Le mec qui mélange les mots. C'est terrible. Je vous dis, je pense que je commence à fatiguer. Normalement, j'aurai de la visite d'ici les prochains jours. Ce qui fait que pendant quelques temps, je ferai pas de live. Mais je pense qu'il faudra que je me prévoie au moins un soir par semaine où je fais pas live. Parce que... Pourquoi j'ai envoyé la mignonne? Mais la mignonne, elle risque de mourir en mer, je l'ai pas réparé avant. Mais quelle quiche. Voilà, je... Faudrait que je prévoie. Ça va de mon côté. Comme tu peux le voir, mon cerveau ne suit pas ma pensée. Ou c'est ma pensée qui ne suit pas mon cerveau, je ne sais pas, c'est l'un ou c'est dans un sens ou dans l'autre. Hop, on envoie la chimère, elle est encore intacte. On a pile ce qu'il nous faut ici, donc on envoie. Espérons qu'il survivra à l'attaque. Les voisins font fenêtre fermée maintenant, bah nickel. Voilà une belle évolution. Ils auront encore plus chaud. Au pire, quand ils ouvriront la fenêtre après, ils sentiront mieux. Cap français, toc toc. Donc, on voyait que celui-ci, parce que c'est le seul qui a un niveau 35 en termes de place dans l'inventaire. Et j'ai plus assez de bateaux, mais c'est pas grave. Et voilà.
Et Lagos, comme je vous dis, je veux pas y aller parce que la route est extrêmement risquée, dangereuse. Et à chaque fois, enfin à chaque fois, c'est la seule fois où j'ai essayé de la nettoyer un petit peu. Non mais, bah. Je me suis fait démonter, donc du coup. Oui, bonjour. Ah, coucou, ouais, salut. Non, parce que je te voyais croiser les bras, je me suis dit, qu'est-ce qui va pas? Alors, comme je vous dis, on va ressortir d'ici. Avec un petit peu de chance, je peux même me déplacer directement par là. On va y aller. J'adore ce lieu. Sais-tu pourquoi le capitaine Cook intéresse autant le grand maître? Non, mais on l'a déjà entendu, ça. Son intelligence n'a d'égal que son ambition. On s'en fout, du coup. Ses connaissances sont sans pareil. Et si j'en crois ma serveuse préférée d'Halifax, il vient d'être nommé capitaine d'un manoir. Il sait également déchiffrer les codes secrets, un expert. Tant de talent ne peut que servir notre cause. Le genre de personne que l'Ordre accueille à bras ouverts. Ma foi, c'est un ami à moi. Il a la fâcheuse tendance d'être tout le temps honnête. L'hypocrisie lui est inconnue. Autant dire qu'il garde bien mal les secrets. Surtout avec son cerveau de mathématicien capable de venir à bout de n'importe quel code. Prête-le en allié, mais prends garde à ce que tu dis en sa compagnie. Je m'en souviendrai. Par contre, je trouve que ce système de tir est moins intéressant que dans le précédent. Je l'ai raté ou quoi? M'en fous. Enfin, je dis que je m'en fous, mais je vais aller récupérer le bateau. J'ai envie de lui foncer dessus quand même. Salut Tom, comment ça va? Allez hop, ça devrait aller assez vite, comme d'habitude. On fait un peu le vide comme ceci. Voilà, toc. 2. 3, 4. 5. Raté. 6. 7. 8. Et c'est bon. Bonne nuit, K2. Fais de beaux rêves, prends soin de toi. Merci beaucoup de passer, d'être resté. À la prochaine. Bon courage pour demain. Voilà quelques ressources, envoyez la flotte, je m'en fous. Il nous en faut des bateaux, donc quoi qu'il arrive, on récupère. Enfin, pas les petits, ça va rien. Il nous faut de la marchandise, de la marchandise. Mais j'ai encore été nul là, dites-moi. Tu m'as l'air plus grand, non? Ouh, mais tu as des ressources! Heureusement, tous les boulets sont partis dans l'eau! Ah, dommage, j'espérais les avoir comme ça. Mais pourquoi tu tires pas mieux que ça, toi? Allez, abordé. Vous m'excuserez, j'ai besoin que vous redescendez, s'il vous plaît. Merci. Voilà, bonjour. C'est tellement plus agréable de pouvoir les avoir comme ça. Il en manque combien là? Et voilà.
Tu refais ça, bah bon courage, ça va être long, je pense. Des souvenirs que j'en ai, ça va être très long. Surtout si c'est de ramasser les drapeaux et autres éléments du genre. Du pognon, du pognon. C'est pas bête, ça BG. Faudrait que j'y pense la prochaine fois. Oh là là. Toi là-bas, tu sais quoi, j'ai quand même te récupérer. Même si je t'aime pas, le petit bateau. J'ai cru comprendre que Louisbourg serait une pièce centrale de la guerre. Si la Royal Navy parvient à prendre ce fort, la voie du Saint-Laurent nous sera ouverte. Et avec elle, Québec et Montréal. Non, je l'ai coulé. Ah non, c'est bon. J'ai eu peur. Bon, lui, je le prends uniquement pour... pour réparer le bateau, normalement. Tu vas arrêter de bouger, toi. Je peux pas te tuer si tu bouges. Et mon but, ça reste quand même de te tuer. Voilà. Bah, je sais plus. Pour moi, il est long, quoi. Je le trouve extrêmement long. Réparer le Mulligan, c'est ça que je voulais faire. Comme ça, je peux aller m'attaquer au fort plus tranquille. Je crois qu'il m'aime pas trop les trucs qu'il y a. Correction à ce lâche de mon calme. J'attends ce jour avec impatience depuis la prise de Fort William Henry. Quand cette guerre sera terminée, nous ferons enfin régner l'ordre sur ce continent. J'ignore si cette guerre suffira, mon ami. La flemme. Quoique. Mais il est schtroumpf, c'est vraiment chiant le crooner là. Le crooner, pardon. Ça fera toujours un bateau de plus à mettre dans la flotte. Et plus on a bateau, mieux c'est. Donc là, il y avait quelqu'un qui demandait hier s'il y avait les navires légendaires dans celui-ci. Suivant. 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 Ça serait bien si j'arrivais à les tuer aussi, non? Ah, je suis tellement content de ne pas être limité à 4 balles. Sur l'ancien, sur Black Flag, on était limité à 4 balles, je crois. Avec ce truc-là, ou 4 ou 5. Ce qui fait qu'on a avancé très peu. Mange Schtroumpf, moi ce que je veux c'est ce truc là-bas. Iceberg, droit devant. Y'a plus iceberg. Voilà. Tabac et tissu. Ah. C'est sûr que c'est pas pratique contre les forts de savoir exactement où est-ce qu'on est placé. Mais cette petite tour là-bas est en train de monter avec Michel. C'est bon. Et ça donne foi un petit qui arrête. Faut bien de faire ça, hein. C'est dangereux. Pour la santé des gens. De parler de bouffe quand ils ont faim. Oh, ce bateau, je le veux, non? Ouh.
Mais c'est que ça m'a l'air magnifique, ça. Tu m'excuseras, petit bateau, je vais d'abord aller récupérer ce qu'il y a là-dedans. Et après, je viens de chercher, d'accord? Je vois rien. On va les couler, hein, ce sera réglé comme ça. Non, non, j'ai jamais pris le modo. Je n'en prends pas parce que je n'aime pas ça. La règle ici, c'est s'il y a des gens qui font les schtroumpfs, et ben vous les ignorez. Vous pouvez même essayer de cliquer sur le système, clac, ignorer. Tiens! Bonjour madame. Madame Isa, comment allez-vous? Comment était Mission Impossible? Envoyez toute la toile, en avant tout! Déferlez et qu'on prenne ce vent! Ça fait une image bizarre, ça, quand même. D'accord, ok, j'ai compris, faut que j'y aille comme ça. On y va alors. Un schtroumpf à la mer! Un schtroumpf! Ah, je crois que je commence à voir quoi. Un petit peu. Ça y est, j'y suis. Aïe, ça pique. Aïe, ça pique. Alors ça, faut le détruire. J'ai plus de fléchette à pétard. S'il n'y a plus de fléchette à pétard. Tous les intrus doivent mourir, je suis le seul. Aucun ne me suit par là. T'es le suivant. Mais c'était là que j'avais essayé la dernière fois. Non, c'est faux, j'ai rien fait. Elle a attaqué si vous l'osez. Bonjour. Mais pourquoi ça part pas là? Parce qu'il était dans l'escalier, ça encore, non? Ah, ça y est, plus plouf, elle essaie de descendre de son perchoir, là. Pardon, monsieur, je n'essaie de semer personne. Je fais mon travail. Mon travail consiste en faire péter les trucs. Bah ouais, mais pour l'instant, tu termines ton activité, moi, je peux pas me protéger, bah ouais. Ah, des fois, c'est à mon avantage, hein, les escaliers. Peut-être pas du tout, là, ça va. Ah là là. C'est terrible. J'ai envie d'aller faire ce truc-là. Il y a plein de choses. À l'intérieur. Eh ben, les bien les navires légendaires. Donc oui, ils sont bien. Gain élevé, gain d'argent élevé. Il y en a deux, là. Il y en a même deux. Deux pour le prix d'un. On va les faire tous les deux. Je veux mon pognon, moi.
Donc on avait déjà tout ramassé. Et c'est celui-ci qui était coincé auparavant. Donc ça va, ça se passe plutôt bien. Alors, je souhaite acheter des munitions. Toujours les projectiles amortis d'abord. Ça en est à fond et ça en est à fond aussi. Amélioration du Morrigan. Qu'avons-nous que nous pourrions utiliser? Donc ça non, ça je pourrais. Les boulets explosifs, le mortier, je n'ai pas le truc nécessaire pour l'améliorer. Puissance pétrole, amélioration des prompts. Puissance des boulets ronds. Pourquoi je passe par là? Toujours plus de mortiers. On m'a dit que ça servait à rien, ça. Tant pis. Une affaire rondement menée. Hop là, ça c'est fait. D'ailleurs, j'y pense. Si j'améliore le truc de bande. Qu'est-ce que ce sera, capitaine? Si j'améliore. Peut-être que je reprenne les munitions, non? Bah ouais, voilà. Bah justement, ils veulent pas attraper la craie, Vertica, ils veulent être frais. Donc allons attaquer ce beau bateau. Eh mais non, mais il est à moi ce bateau. Il est à moi ce bateau, laissez-le moi. Ne le coulez pas s'il vous plaît, ne le coulez pas, j'ai dit ne le coulez pas, ne le coulez pas. Attaquez les autres si vous voulez. Ne le coulez pas, il me le faut. C'est une frégate en plus, je la veux. Tu veux bien essayer de... Voilà. Moi, je l'ai fait voler. Ça, c'est bon. J'adore cette séquence. Je trouve ça très appréciable. Très efficace. Après, je m'amuse bien. Je vise pas très bien, mais ça, c'est pas nouveau. Non ! Serais-je à court de... à 12 sur 15, c'est dommage. Ils ont tué un des membres d'équipage, non! Et voilà. Il y en a qui essaient de brouiller les pistes quand même, hein. livres, bois, métal, tissu. Réparer le Morrigan, envoyer la flotte de Shay. Et là, ça je prends. Ça, c'est fait, mission accomplie. Ensuite, on va aller chasser l'autre, parce que ça rapporte beaucoup, beaucoup de choses intéressantes, donc je la veux. Il y en avait un deuxième. Il est passé où le deuxième? Mais non! Mais non, mais il y en avait un deuxième, il est passé où? Non! Mais je le voulais pour moi, le deuxième aussi. Ça, c'est des gugus à libérer, mais je m'en fous des gugus à libérer, il y a quasiment rien à l'intérieur. Oh la déception! Oh la déception! Personne ne se fait passer pour toi, Isa. C'est juste qu'on a supposé que ça pouvait être toi. Mais personne n'a confirmé. C'est toi, BG. Tum tum pum 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 pum.
Quoique si, c'est pas si mal ce machin là-bas. Ça va, c'est rapide, c'est efficace, ça me plaît. On sent Schtroumpf. Je l'ai eu. Lui aussi. Pourquoi tu t'es bougé toi? C'est bon, c'est réglé. Bunny Dragon, fais de beaux rêves, prends soin de toi. Bon courage pour demain. Et merci d'être passé encore une fois. À la prochaine. Et voilà, encore du monde de sauver. Et on peut rien faire. Ah, on peut pas l'envoyer. 1500 livres, 3 de bois, 80 de métal, 45 de pierre, 23 de tabac. Et 10 membres d'équipage sur les 100 prisonniers sauvés. Ok, ça c'est fait. J'irai bien là-bas. Pas vous ? C'est comme ça, j'ai l'impression de libérer la zone et je me sens heureux. Heureux, E-R-E, comme Roger Rabbit. Allez, je vais marquer ça. Ouais, c'est qu'un brick. Ah, nos collègues l'attaquent. Oh, il y a une grosse vague, il y a une grosse vague. À prendre de face, on a déjà dit prendre de face les grosses vagues. Sinon ça fait mal. Voilà. Ils écoutent de la musique. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Par contre, attendez. Oula, 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 ça m'a tout réduit. Kankuro qui pense à des choses auxquelles personne d'autre ne pense, c'est mignon. Un missile, c'est grave, ça dépend de ce qu'il y a dans le missile. Le blizzard. Je sais pas pourquoi je me ferais bien une raclette là. Je t'explique pas ce besoin instantané de raclette. Mais ça fait envie, quand même.
Faudrait que j'aille dans des mers un peu plus compliquées, histoire de pouvoir récupérer un peu plus de ressources. Ah, je crois que nous avons un immense iceberg là-bas, non? Pas bête ça, Redwolf. Tu prends toutes les coquilles de pistache en fait, et tu vas les déposer chez eux. Tu les envoies par la fenêtre. Avec un message. Les pistaches vous feront souffrir tant que vous ne baisserez pas votre musique. On a dépassé les 45% là, sachant qu'on a ramassé beaucoup de collectibles. Donc je crois qu'on est à la séquence 4 ou 5 sur 6 apparemment. Pourquoi t'en as déjà marre? Comment ça, non, non? Non, 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 non. J'aime beaucoup les musiques quand même. Voilà, on prend le camp et une fois qu'on aura pris ce camp-là, on se gare, s'il vous plaît. Non, non, rien n'a changé, tout a continué, Attention, ah non, il est même pas retombé dans l'eau, monsieur. Eh, on a rien fait ici, QG de gang, rénovation, on va s'occuper d'abord du QG de gang. Oui, que puis-je pour vous, monsieur? Ça me semblerait pas si mal de passer par là. Pas vous? Le Cheyenne. Ce chant de guerre qui monte sur la ville comme une prière à la lune qui brille. On rappelle à ceux. Planqué par là, lui. Mais non, mais pourquoi t'es redescendu? Il y avait une poutre en face de toi, pourquoi t'es pas allé sur la poutre? Ah. Hop là, ça c'est fait. Eh. Oh, ça va pas assez loin. Seconde, j'arrive, je suis à toi après. Non mais je veux juste partir, s'il te plaît, merci. Salut, fétichiste des orteils, comment vas-tu?
Je m'attendais pas à te revoir aujourd'hui. C'est ça. En même temps, c'est un truc en facile, j'ai pas envie de me casser la tête à avancer en fait. Je pense que vous l'aurez bien compris. Bah écoute, viens là, tape. Et tu tapes ce... Ah mais non. Pourquoi tu pars pas? Des fois je comprends pas pourquoi il part pas, t'appuies sur le bouton mais le mec il fait rien, il attend. Je crois que le problème est encore le même, c'est parce qu'il était de l'autre côté du poteau. Et donc lui peut m'attaquer de l'autre côté du poteau, mais moi je ne peux pas parer de l'autre côté du poteau. C'est l'histoire du poteau méchant. On a fini là? Oui c'est bon. Tu veux dire que tu proposes d'envoyer tes voisins à Liège? C'est pas une mauvaise idée. Ça les éloigne de chez toi, je pense. Il y a un autre bateau magique au-dessus. Il y a un autre fort, tant qu'à faire. Mais d'abord... Bon, on va épuiser la zone un petit peu quand même. On a 41 minutes. On va commencer par ça. Et comme on a 41 minutes, on va monter là-haut. Parce qu'on peut pas monter en bas, de toute façon, normalement, sauf si on déchange le référentiel. Et on va récupérer ça, là-haut. Hop là, canon ce terrain. Et après, on fait une coupure de rediff. Parce qu'on le vaut bien. Et je crois que je m'étais lavé les dents, mais j'ai croqué dans une biscotte. Voilà, j'ai des biscottes qui traînent. Bonne nuit, Miss Ella. Fais de beaux rêves, prends soin de toi. Et puis, merci d'être passé, merci d'être resté. À la prochaine. Et puis, bon courage pour demain, même si finalement t'es en vacances, il me semble. Allez, hop, c'est parti, du coup, coupure de rediffusion. Hop là, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouvera très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappecjeux.fr. Passez une agréable fin de journée, prenez soin de vous et ciao tout le monde. Salut !